Bonjour, bienvenue sur Chef Ounet TV. Aujourd'hui, nous sommes de nouveau en Vendée. Et donc, j'avais envie de vous cuisiner une recette que j'ai faite il n'y a pas longtemps. Et que je trouve assez simple à faire. Souvent, quand on fait des brochettes de poisson, le poisson, il tient pas. Et donc, l'astuce ici, dans ces brochettes de saumon et de grosses crevettes gambas, c'est d'enrouler le poisson dans une fine tranche de lard. Donc, j'ai composé des brochettes donc, avec des cubes de saumon et des belles crevettes de Madagascar que j'ai semi-décortiqué en ne conservant que la nageoire caudale. Voilà. Donc on va les cuire à la plancha, on va vous les servir avec une mayonnaise à l'ail noir et avec un peu de jus de citron. Voilà. Donc j'ai pas la prétention de faire de l'aïoli, mais c'est une sorte d'aïoli un petit peu détournée. Donc, pour accompagner ces brochettes de saumon et de gambas, je me suis servi d'un outil de cuisson qu'on va de plus en plus voir sur Chef Ounet TV. C'est un petit kamado. Donc, je vais vous proposer de plus en plus de recettes au kamado. Et donc, j'ai fait des... Je fais attention parce que quelquefois, j'ai fait des pommes de terre douces rôties au kamado, donc en cuisson indirecte. Là, elles sont cuites déjà depuis un petit moment. Donc, on va maintenant cuire le poisson pour passer à table. Voilà, donc ma plancha est bien, bien chaude. Elle est même peut-être un tout petit peu trop chaude. Donc, je l'ai baissée. Donc, on entend les mouettes. On n'est pas très loin de la mer. Plancha à quelle température environ, chef? 200 degrés.
Donc on évite de faire des trop grosses brochettes, parce qu'après la cuisson elle est moins régulière. Hein. Plus vous faites des brochettes longues, plus c'est difficile de cuire régulièrement. Donc là, le lard, ça a la particularité, c'est que ça va maintenir le saumon pendant la cuisson et le saumon va bien rester. Et donc là, on a mixé du saumon, enfin du lard, du saumon, de la gambasse, donc ça veut dire que c'est des produits qui vont avoir le même temps de cuisson. Oui, très proche. Donc là, j'ai baissé la plancha. Bon, ça colore tout de suite un petit peu parce que la plancha était un peu chaude. J'avais quelques gambas en plus. C'est pour moi. Voilà, donc c'est presque cuit. Je vais mettre quelques petites graines de sésame. Pour donner un petit peu de parfumée et puis donner un petit peu de mâche supplémentaire, de croustillant. Voilà, on va dresser.